Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode du Let's Play de Carmageddon, l'épisode 33. 33 RPZ, si, t'as vu. Donc on se retrouve sur l'environnement industriel pour la map Rampage. C'est parti, donc niveau véhicule, on va toujours gagner celui-là de Otis, hein, le Candy Fat Cart. Oh yeah! Because, parce que c'est pas mal comme ça. Donc, niveau concurrent, on a toujours les autoscum, décidément, on les voit toujours. Toujours ces véhicules-là en plus. À la fois, on a Pitbull, Psycho Pitbull, avec sa dépanneuse. Stella Stena, qui va nous casser des couronnes dès le début, avec ses lasers. Alfie Harry, et si on a Shirley, c'est qu'il y a un problème. Non, on a Hans Faust. Donc c'est parti les amis, allons-y, let's go. L'eau à dingue. Ok. C'est parti. Alors, ok la map. Ah oui, il y a quand même 15 tours, c'est pas rien. Ok, alors là, péter le courant des débuts. En désinguant tous les. Il y a les figues et tout, oh là là, ça va être le carnage du début, là, je sens. Déjà, j'en joue. Je joue tout le monde. Il y a des figues partout. Hein. C'est la Zermie. Il y a les Compus. Et avec mon fou dedans. Et lui je pense qu'il va me regarder le début, parce qu'il commence à me regarder le début. Putain, on entend les sirènes. Et allez, je m'en fous. Putain, 1100 des. Un petit impact de merde. Et allez, mais. Déjà, on s'est énervé. On va faire un petit carnage ici. Putain, mais je. J'en amasse des crédits là. Ça, c'est au cas où on n'aurait toujours pas assez de crédits pour avoir les pièces. Ça fuse. Putain, la brochette là. Oh, carnage. Niveau temps, ça donne pas énormément. Bah, de plus 8 en plus 8. Ils sont figés ou quoi les. Bah, peut-être qu'ils sont. Même pas d'acide, un peu de. De flotte entre guillemets. Oh, ce skill. Comme dirait un certain streamer, faker. 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 Putain, et je sais pas combien on a. Il doit y en avoir pas mal, hein. Des copes. Ok, en fait, faut passer par là. D'accord. Vas-y, pousse sur moi. Putain, et il y a 3 là. 3 flics. Tirez-vous. Tirez-vous. Je viens de les tuer, c'est celle qui est. Celle qui balance des lasers là. Parce que. On nous fait rier. Si on la croise. Putain. Oui, c'est que la bagnole est plate, donc une fois qu'on est retourné, on est un petit peu dans le caca. Putain, je me fais. Allez, vas-y, pousse-moi, je dis rien. Je dis rien. Ici par le summon.
YOLO. Là, oh là là, il y avait au moins 4 derrière le flic à pousser là. Allez, il fait 14 tours, non mais lol. T'as cru que j'allais faire 14 tours. Bon, par rapport fois précédente, là on a toujours pas de ralentissement, donc c'est bon signe. Je sais pas ce qui se passe, depuis quelques épisodes il y a des petits ralentissements au début, enfin des petits, c'est assez costaud quand même. Ok, lui je sais pas comment il a fait. Faker, j'ai pas le bonus stunt 1000 crédits là. Non, c'était beau. Ah, y a le flic, y en a pas partout. Mais bon, on va pas trop s'éterniser sur cette course au niveau point. Je suis quand même pas mal avancé. Là, je suis à la position 7 alors qu'on fait la course niveau la position 12. La deuxième position, je crois, c'est plus français. Sachant qu'il y a deux courses disponibles là, et que si on finit cette course là, à mon avis, la course précédente est disponible, enfin la course suivante plutôt est disponible aussi. Parce que mine de rien, on avance, mais on est pratiquement à la fin du jeu quoi, parce que là il doit rester, j'irai 5 courses, enfin 4. Ne comptant pas celle-ci, on doit en rester 4. Après je ferai peut-être une vidéo ou deux de bonus entre guillemets. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on peut faire à la fin du jeu quoi. Hein, je vous montrerai quelques véhicules, notamment celui-là qui est un peu cheaté là, celle de Stella là. Ça doit être pas loin. D'ailleurs, il y a des flics partout. Putain, elle est là. Voilà, tout à fait résumé ma pensée. Allez, je vais le CP1 en fait. Face à face. Boum. Par contre, eux ils font pas la course en fait. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils la font, mais en fait non. Ça peut durer des éternités. Une éternité plutôt. Des éternités. Ce qui est un peu bête pour un jeu de course quoi. Quand, à la base, c'est un jeu de course quoi. Donc les bots, enfin l'IA, devraient être supposés faire la course aussi, faire les tours. Or, ce n'est pas le cas. Alors je sais pas si c'est le cas dans le remake, entre guillemets, de Carmageddon, la réincarnation. Donc je suis pas trop l'actualité de ce jeu là. J'attends vraiment qu'il soit terminé, je suis toujours en early access sur Steam. Allez, ça. Partout dans la voie, une quinzaine là. Je dirais pas que c'est... Non, pas une quinzaine, moins 10 quoi. Attends, tout ce qu'il y a. 1, 2, 1 derrière moi, 3, 4. 4. Il y a 3 flics dans l'eau, retourner déjà. On va avoir 2 ou 3 de l'autre côté. Après sur la map, on doit aussi en avoir 3 ou 4. Hein. Ça en fait bien une dizaine. Moi ce que je voudrais voir c'est le flic amélioré quoi. Parce que pour l'instant on l'a pas vu. C'est en gros un mastodonte quoi. C'est un... De toute façon vous verrez bien. Je crois même que je le prendrai quand on aura fini le jeu. Montrer un petit peu le machin quoi. Parce que pour l'instant le plus gros véhicule qu'on a vu c'est... C'est l'engin de chantier là entre... Machin jaune là. On peut gagner d'ailleurs. Mais qui est vraiment incontrôlable. Enfin incontrôlable, non.
Il a un petit peu la même physique qu'un 4x4, c'est-à-dire que quand on accélère, mais il se penche, quoi. De toute façon, je ne tue qu'un, et c'est le tiers 1. Alors là, c'est le plus instant que j'ai fait. Et là, c'est un putain de fail que j'ai fait. Hop là. Bon, lui, il va crever, hein, quand même. Dans pas longtemps, il va crever, quand même. Ça commence à m'énerver, quand même. Enfin, quand même. Il est clairement coincé avec son... ses chenilles. Non, mais sans déconner. Je reviens bousiller Stella. Le véhicule laser. Puis même le vert aussi, parce qu'il commence à énerver aussi. Depuis le début, le circuit n'arrête pas de me pousser. Mon coco, tu vas crever. Personne ne m'a suivi. En même temps, ils sont tous, tous dead. Le truc c'est que lui qui avec les chenilles, une fois qu'il est endommagé, ben vu que les chenilles sont considérées comme comme de la texture, comme le reste du véhicule, ben une fois que c'est tordu, il est un petit peu dans le caca. On peut pas vraiment rouler, quoi. Toi, tu vas crever, hein, tu commences à mourir aussi. Bon, tu t'es moche. Allez, je casse ta tête, je cache ta tête là, t'es moche. Enfin, dans la logique, c'est 13. T'as la voltige, l'autre. Je reviens à faire un flic là quand même. Putain. Hop le. J'ai pas le bonus cascade là. Quand même c'était beau ce que j'ai fait. Ok, ils sont carrément coincés. Ces abrutis, mais en même temps ils ont coincé aussi la route. Que c'est le seul pâche à faire avoir. Passage. Là bizarrement, c'était team. Ok, carrément, je l'ai retourné. Allez hop, 1000 par 1000, ça sera pas mal à la fin. Enfin, je l'ai tué, parce qu'il m'énervait depuis le début. Content. J'ai rien eu, quoi. Toi aussi, tu vas crever. On va s'énerver. On va s'énerver tous. Vous n'êtes pas comme ça, hein, mais je suis énervé, là.
Donc, après ce let's play, je sais pas trop ce que je vais faire comme autre let's play. Je vais peut-être commencer celui-là de The Crew, ça fait un petit moment quand même que je voulais le faire. En plus, j'ai récemment terminé le jeu, quoi. Enfin, le mode histoire. Quand même, ça fera un let's play sur un jeu quand même récent. Hein, on peut pas vraiment dire que ce jeu soit récent. Et que, de plus, attire les foules, quoi. Parce que je vois que dans les derniers épisodes, il n'y a qu'une vue, la mienne. En même temps, on peut pas vraiment parler d'une vue, parce que... Je regardais juste si c'était bon, quoi. Si la vidéo était bien visible, là. C'est tout. Non, vous voyez pas que je regarde mes vidéos. Ouais. Parce que j'ai appuyé sur insert pour retourner sur la route et ça marchait pas. Putain, il y a encore 2000 crédits de gaspillage. Je sais pas comment ils font pour se coincer comme ça, là. Ils sont forts. Hein. Entre le saut et le mur. Toi, tu vas voler, toi, tu vas apprendre à voler. Je ressens avoir les petits ralentissements, je crois. Mais ça, c'est ça vient de l'émulateur. Hein. C'est pas mon PC, parce que mon PC quand même est assez puissant. De toute façon, je crois que j'ai mis la configuration peut-être pas à jour. Parce que je crois que ma configuration que j'ai mise sur YouTube, que vous voyez dans la page à propos, je crois qu'elle est a été faite au tout début de la chaîne, quoi. Donc avant Noël à mon avis, et vu qu'à Noël ben, j'ai changé de carte graphique entre autres. Il doit pas être à jour, je vérifierai. Mais bon, entre i5 et 8Go de mémoire, une bonne carte graphique, une carte mère, un bon processeur, de la RAM. Une bonne carte graphique, même si c'est pas vraiment de la carte graphique, c'est pas une 900, hein. 700, merde, je me rappelle même plus de la carte graphique. Non, bref, si j'arrive à faire tourner des jeux récents comme The Crew en ultra, je vois pas trop pourquoi, ça serait le PC qui serait en tort. Sur ce genre de jeu, quoi. Alors des fois c'est l'animateur qui bug aussi. Allez hop, il reste plus qu'un, deux. Ah, c'était là, je voulais la buter au début, là, finalement je crois que ça sera le dernier que je détruire. Hein. On ira faire un petit tour dans la map quand même. Numéro 6 ou numéro 9 en fait. Je crois que je suis le 6. Ou le 9. Non, je crois que je suis le numéro 9 en fait. Parce que chaque véhicule a un numéro, ce qui est pas mal. Hormis le véhicule de base qu'on a. Et aussi les autoscumes qui sont des deux morts à place de numéro. C'est-à-dire qu'ils sont numéro 0 en ligne. Mais...
Alors, je serai peut-être pas un SP sur le 2, hein, mais quand même 2-3 enfin, ouais, vidéos pour vous montrer un petit peu l'évolution par rapport à celui-ci. Pareil, merde. Comment ça s'appelle l'extension, entre guillemets, de celui-ci. Un nouveau véhicule. Il y a quasiment que des nouveaux véhicules. On ferait une nouvelle vidéo. On va mettre un petit peu l'évolution. Exonération. Bon, j'essaie de tuer les derniers. Hein. Ça te fait un petit peu long. Donc bon, j'aimerais terminer le let's play aujourd'hui. Vu que j'enregistre des épisodes à la suite. Hein. De toute façon, je crois que ça se voit un petit peu. J'en fais une. Selon mon envie, j'en fais 2 ou 3, des fois 4. Je pense que j'ai fini ma map au lieu de détruire les opposants, enfin les concurrents. Je sais pas pourquoi je dis opposants, depuis le début du SP je dis opposants, mais c'est un mot que j'emploie jamais. Les adversaires, les ennemis. C'est que je suis sûr que si je bouge, si je vais de l'autre côté, il y a aussi valet. Ah tiens, moi je suis pas con, parce que je vais aller au-dessus en fait. Plutôt de faire tout le tour de l'angle. Ah ok, tous les fils sont miraculeusement tous retournés. Alors que l'autre, la fois précédente, ils étaient tous à l'envers. D'un moment, je crois que je l'ai déjà dit, hein. De toute façon j'ai l'impression que je me répète à chaque épisode. Il fait qu'au bout d'un moment ils respawn à leur endroit initial. Alors comme il y a hein, des fois elles pop. Ce qui est bien, c'est que là, avec les pièces qu'on a, on n'est pas vraiment endommageable en fait. On perd très peu de vie. Là, si on cumule toutes les réparations que j'ai dû faire, on arrive à la 2000, je crois. Enfin, 3000. Alors qu'avant, chaque fois que je touchais un concurrent, bah, je devais me réparer quoi. Même les flics. Là, pour l'instant, maintenant, les flics. J'en fais des dégâts avec très peu de vitesse et je reçois rien, alors qu'avant c'est ce qui me faisait plus de dégâts que moi j'en faisais sur. Enfin bon. Bon, je vais me terminer celui-là parce qu'il commence à m'énerver aussi. Lui c'est supposé être le plus dur à tuer, enfin détruire. C'est un des plus durs à détruire normalement. C'est un des derniers qu'on affronte.
je crois que c'est un des plus durs que le scorpion, on l'a vu. La dernière fois on l'a vu, le tuer assez facilement quoi. De même pour le gros 4-4 jaune là, enfin on l'a eu qu'une ou deux fois. Hein. Je sais pas si c'est assez aléatoire. Sinon il y a quoi des véhicules qu'on a toujours pas obtenus quoi. Mais en même temps là, dans le tir 1 je crois qu'il y en a un ou deux qui nous manquent. Non qu'un, je crois que c'est Techmania, le véhicule rouge. De toute façon un peu celui-ci. Après en tir 2, je crois qu'on a tout. Avec le pitbull et Otis, et après en tir 3. Il y a le véhicule. Pas le gros, gros 4x4, enfin le gros engin de chantier surtout. On n'a pas énormément en fait hein, de véhicules qu'on obtient. Bon, de toute façon, à la fin du jeu, on a tout. C'est pas tellement grave. Bref, je commence à avoir un peu. La casquette de ce niveau, j'aimerais bien qu'il crève. Le truc, ça c'est qu'on fasse un face à face avec de la vitesse. Il est là aussi. C'est quoi, j'ai bouclé un tour. Il bougera peut-être si je m'éloigne un peu. Genre là. Ouais, il a bougé. Ouais. Il a bien bougé en plus. Là. Tu as crevé, oui. Par contre, ouais. En fait, faudrait vraiment que j'ai le 4-4 jeu. Pour la fin du jeu. Que les flics avancés sont vraiment hardcore. Allez, crève, voilà, c'est parfait, nickel. Enfin, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Donc on approche vraiment de la fin de la fin. Quatrième place, c'est vraiment la fin de la fin. Donc à la prochaine, c'était Diablo, salut.